إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله تقدير تغمي اسمه الله سبحانه وتعالى celui qui par sa bonté et sa pitié les fins de nous tout bon avertissement qui vise contre Shaitan. Un musulman, c'est celui qui est conscient, Shaitan, c'est son ennemi. Et alors, quand il peut vivre sur la terre, il veille à ce qu'il n'a pas tombé dans une pièce de Shaitan, une pièce qui, Shaitan, est étalée dans chaque instant de nous la vie, partout que nous posons les pieds. En façon de parler, Shaitan, il finit de mettre ses pièces là-bas. Alors, un musulman, quand il peut vivre sur la terre là, il peut gagner sa traque là, attention, il tombe dans une pièce de Shaitan. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons essayer de cause concernant un point de pièce de Shaitan qui nous tout nous arrive tombe là-dedans. Dans ça, le monde qui nous peut vivre là, c'est un monde qui remplit avec Insan. Insan, Allah Rabbul Alamin fait une créneau avec une nature à nous faire pécher. Allah une créneau nous faible. Et alors, dans ça, le monde qui nous peut vivre là, il est impossible nous peut vivre là-dedans et qui nous patonne. Nous ne pouvons pas une nouvelle. Un tel fait nous faire pécher. Un tel, ce madame inarrivé, fané. Un tel, ce garçon, l'inarrivé, fait quelque chose qui n'a pas besoin. Un tel, ce petit fille, fait faire quelque chose qui, ce papa, paye la honte. Ou bien tel imam, inarrivé, fait quelque chose qui n'a pas besoin. Ou bien tel qui fait causerie, l'inarrivé, fait quelque chose qui n'a pas besoin. Dans ce monde qui nous peut vivre là, c'est une petite chose qui nous pourrait stander. Péché un tel, péché un tel, péché un tel, péché un tel. Alors, qui bise nous stand envers péché un tel quand sa nouvelle la finmine vers nous, c'est là qui beaucoup parmi nous, ou bien nous tout nous fait, excepté d'un moment qu'Allah la fin protège nous. Quand nous gagnons une nouvelle, un tel fin fait un péché, ou bien tel, ce madame, ce garçon, ou bien ce tifi, en tant qu'un frère musulman, nous visons un péché sacrin. Nous sacrin, nous frères, fin tombe d'un péché. Nous essayons de conseiller, nous faisons doa pour lui. Nous essayons, nous souhaitons qu'Allah t'a la chrétienne depuis là-dedans. Nous souhaitons qu'Allah t'a la pardonne de sa péché là. Ça, c'est un comportement islamique. Mon frère fin tombe d'un péché. Mon sœur fin tombe d'un péché. Mon gagne sa nouvelle là. Mon souffert. Mon chagrin. Et mon pense, qui m'a capable de faire pour t'y aller depuis dans sa péché là. Ça, c'est un comportement. Mais, quantité de nouvelles qui nous gagnent, un tel il fait péché, un tel il fait péché, un tel il fait péché, parfois quand une certaine nouvelle peut venir vers nous, quand nous pouvons apprendre, un tel il fait une gaffe,
Ou bien a-t-il sur madame, a-t-il sur garçon, a-t-il sur tifi, quand sa nouvelle la vient vers nous, comment dire, nous accueillons avec un contentement. Quand nous attendons, quand nous pourtons être surtout pour faner, quand nous faire quelque chose qui n'a pas besoin, alors ça c'est une réaction. Quand nous donnons à propos péché d'un djimoun, nous comment dire un petit content dans les cœurs, parfois un gros content dans les cœurs, et nous commençons à faire tam tam avec ça. Nous jouons ça là, nous disons, et tu entendais? Nous jouons l'autre là, nous racontons des histoires là. Nous jouons l'autre là, là, nous essayons de gagner. Quand il y a plus beaucoup de détails, le péché un tel ou bien tel, alors ça c'est un comportement tout du monde, excepté celui qui a l'un s'applique. Quand nouvelle péché un frère vient jusqu'à côté de nous, nous avons une tendance à faire tam tam avec ça. Nous avons tendance à faire publicité avec ça. Nous avons tendance, comment dire, nous comptons, nous tonnons, nous frères, une tombe d'un péché, mais pas une tombe là-dedans, moi. Un tel sur madame, un tel sur garçon, un tel sur tifi. Pas mon madame, pas mon garçon, pas mon tifi. Donc, il y a doute qui ça comportement-là, ou bien sa réaction-là, lien qui est chose qui est haram, et parfois nous n'avons pas réalisé, mon frère, une tombe d'un péché. Ce péché pour lui, il est grave, lui. Mais sa façon qui moi mon agir, sa façon qui moi mon réagir vis-à-vis ce péché, peut-être sa réaction là, auprès d'Allah, les plus dégoûtants, auprès d'Allah, les plus graves, ses conséquences pour plus grave encore. Alors, nous guettons un petit peu, qui fait, quand nous entendons une nouvelle, un tel fin fait une certaine rire, ou bien tel imam, il fait un certain péché qui fait faudrait pas nous faire tam tam avec ça. Numéro un, parce qu'en vérité, mon frère, mon soeur, nous voulons, nous n'avons pas voulu, nous content, nous n'avons pas content, face à l'attaque de Shaitan, nous une seule famille, nous une seule équipe, nous d'un seul bateau. Quand un frère peut tomber, il tombe dans le pied de Shaitan, l'intouché par l'attaque de Shaitan, c'est pas un ennemi pour moi qui me tombait là. C'est mon frère à côté de moi, un soldat à côté de moi, l'intombé. Donc, qu'un musulman, l'iguet les choses dans sa façon là, mon frère ne fait un erreur, mon frère ne fait un péché, c'est Shaitan qui nous sortit gagnant. Nous, l'équipe est affaiblie, il n'est pas pour content là, lui. Les pour sagrin, les pour souffrir, parce que face à l'attaque de Shaitan ou une seule famille, Allah Rabbul Alamin dit "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd." Ban mu'min homme et ban mu'min madame, ba'dhum awliya'u ba'd. En alut nous ban alliés, nous ban camarades, en alut nous chacun les protège ce camarade. Donc ça c'est un ayat Coran qui n'a plus ayat Coran avec sa signification là, plus hadith avec sa signification là. Inna mal mu'minuna ikhwa, nous tous nous ban frères. Donc comment mon capable content quand mon pétan dit a-t-il ce garçon tombe dans la drogue, ou bien a-t-il ce tifin il quitte la case il allait, ou bien a-t-il ce madame c'est pas qu'il peut faire le Facebook, comment mon capable content quand mon gagne une nouvelle pareille, quand en vérité tout ça mon frère c'est là, c'est mon frère ça, mon c'est ça. La, face à l'attaque de Shaitan, quoi, Shaitan, quand il peut attaquer, il peut attaquer moi, là, lui. Quand mon frère peut tomber, c'est un soldat à côté de moi qui peut tomber. Mon pas qu'à content. Mon pas qu'à quoi peut faire, prépare-moi pour faire fête, pêcher mon frère, pêcher mon sœur, quand en vérité, mon d'un seul l'équipe avec lui. Qui fait, il faudrait pas mon content. Mon frère fête, quand mon frère arrive tombe d'un péché. C'est parce qu'il, en tant qu'un mu'min, si vraiment mes naïman dans nous l'écrire, nous supposer que comporte nous d'une façon qui sa imana peut dicter nous dans sa direction là. Le naïman, nous n'a pas qu'à faire. Le naïman, nous n'a pas qu'à comporte nous comme on a fait. Un que naïman, il comporte d'une façon. Qui sa façon là ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yu'minu ahadukum
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Peine à personne parmi eux, Prenaïman, tant qu'il est pas content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Et alors, tant qu'il est pas détesté pour son frère, c'est qu'il est détesté pour lui-même. Quand on compte en l'honneur pour vous, on compte en l'honneur pour vous, frère. Quand on compte en la guidance pour vous, on compte en la guidance pour vous, frère. Quand on déteste déjeuner pour vous, on pas qu'à compter ça pour vous, frère. Ou bien détester déjeuner pour vous, frère. Quand vous détestez l'esclavage Shaitan pour vous, ou détestez piège Shaitan pour vous, ou pas qu'à content quand vous, frère, l'in tombe dans le piège Shaitan, les contredit à nous, iman. Les contredit à nous, iman. Donc, quand nous pouvons dire un tel fin faire un péché, comment nous gagnons sa nouvelle là, nous commençons forward un tel ou bien un tel. Nous ne pouvons pas dire tout le monde, nous pouvons choisir, mais seulement finalement nouvelle là, il parle pas tout le monde. Nous ne pouvons pas causer tout le monde, ou bien nous pouvons vérifier vraiment, tu entendais, vraiment, tu entendais. En vérité, ce n'est pas vraiment, tu entendais, non. Il est content pour donner l'information, il fin gagne une nouvelle, un tel fin faire tel péché ou bien un tel fin faire péché. Qui vient nous viser agir envers nos frères sur le péché d'une façon, il ne faudrait pas nous faire fête quand nous t'en disons un tel fin faire péché ou bien un tel fin faire péché. C'est parce qu'il nous dit les contenir un joli enseignement quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man satara akhahu al-muslim fi dunya satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Celui qui cachette son frère mu'min dans dunya, celui qui cachette son frère musulman dans dunya, Allah pour cachette lui dans akhira. Celui qui cachette défaut son frère, celui qui cachette péché son frère, Allah pour cachette ce défaut, ce péché jour qiyama. Mais nous pas connaît, nous n'a pour débout dans tribunal Allah. Nous n'a pas connaît qui quantité péché nous fait dans nous la vie. Est-ce qu'il nous tient content? Demain, quand nous faisons débout dans le tribunal, Allah, Allah dévoile tout ça dans le péché qui nous fait là. Est-ce qu'il nous dit pour content ça? Mais quand nous n'a pas content, nous pas, ouais, nous péper, ou Allah n'a pas déshonoré au moins dans ton tribunal, pas expose mon man péché à tout man dimon. Quand nous avons sa crainte là, mais dans dunia nous pas qu'à comporter nous d'une façon, nous pas content pour faire publicité. L'islam nous dit nous cacher. Nous devons vérifier nous soi-disant. Nous devons demander, tu entends vraiment ça? Tu entends vraiment ça? Ce n'est pas tu entends vraiment ça, non. C'est les propres, ça, quelque chose là. Donc, un musulman, il est supposé cacher de péché son frère, non plus qu'il fait tam-tam avec ça, ou bien il fait publicité avec ça. Et quand il dit, l'inéna, sa maladie. Comment il a une nouvelle péché son frère? Comment il a une contente? Les points d'une tendance, comment on dit, propasse ça et propasse péché nous frères, c'est ça même qu'appelle ribat. C'est ça même qu'appelle ribat. Un dimon qui a sa maladie, comment les gagne une nouvelle, un tel sur madame, un tel sur garçon, un tel sur TV, les comment dire, les peut presser pour cause concernant ça, pour dire un tel ou bien un tel, mais tout ça m'en dit, qu'il peut dire là, dans l'islam, c'est pas autre que ribat. Ribat, c'est pas, mais tâche au djimoun, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Ribat, c'est pas, nous pouvons aller inventer quelque chose qui fait, non. Nous pouvons dire, ce madame, il dit ça, ou ce madame, il fait ça, en vérité, pas un dia, pas un faire. Ça, pas appelle ça ribat, ça. Qui appelle ribat, vraiment, madame, là, il met un post là au Facebook qui partit bizarre, ou bien il fait un certain commentaire, ou bien, vraiment, quelque chose là comme ça, et c'est qu'on peut dire là, livré. C'est que vous pouvez dire là, livrer vraiment un tel ce garçon, vraiment un tel ce petit fille, qui te chose là, livrer, c'est un capel ribat là, ça. C'est un capel ribat. Parce que si vous pouvez dire une petite chose qui n'est pas arrivée, appelle ça, vous pouvez mettre une tasse loin du monde, ça c'est un lot de péché. Ribat, c'est vous pouvez cause vrai loin du monde, c'est un qui haram là, ça. Et celui qui est dans sa plaisir, pour comment les gars une nouvelle, un tel. Il fait un péché, ou bien tel imam, il fait tel péché. Il prend ça, il garde ça d'un coffre, d'un moment où vous servir. D'un moment où vous servir. Quand il y a un éclat, il y a un éclat.
Ça, c'est une mentalité qui nous commet, nous peut faire une erreur. Qui ça, des gens qui capable une dégoût de un membre qui pas fait une faire erreur? Qui ça, des gens qui capable une dégoût de un membre, les peut causer, les peut causer, grand causer, et qui, comme a dit, il y a une personnalité pure qui n'a pas de commettre péché. Qui ça, des gens là, ça? Péché n'a pas existé, comme on nous compte très bien par parole de Mansalaf. Si péché tient à l'odeur, personne parti pour coster que son camarade. Mais Djouma, personne n'a parti pour venir là. Ni moi, ni vous, nous parti pour venir parce qu'il nous pour connaître. L'odeur nous péché pour dévoiler nous quand c'est péché qui nous fait. Nous tous, sans exception. Donc, faudrait pas, quand nous tenons concernant péché un tel ou bien un tel, comment dire, nous peut préparer nous pour fêter. Ça fêter là, c'est ou peut préparer ou pour faire ribat. Et ribat nous compte très bien ses conséquences. Nous compte très bien ses conséquences. Par un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ma'ashara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman qalba la tartabul muslimin. Au ban qui finalement iman pas la langue mais iman n'a pas rentré dans le cœur pas fait ribat au ban qui n'a même iman pas la langue iman n'a pas rentré dans le cœur pas fait ribat veut dire celui qui peut faire ribat en vérité qui ça dit monde qui fait ribat là c'est celui qui se iman juste la langue. C'est celui qui, son iman, c'est ce la langue. Si vraiment iman, tu rentres dans les cœurs, il n'y a pas de faire ribat. Il n'y a pas de faire ribat. Alors, mon frère et mon soeur, nous tous, nous bisons prendre précaution. Ce n'est pas pour me dire correct, je ne pas faire ribat moi, ou bien je faire ribat moi. Non, il n'y a pas comme ça, ça. Je faire ribat, je ne pas faire ribat. Non. À chaque instant, ribat là, il vient, nous bisons repousser. Hier, il est venu, nous bisons repousser. Demain, les bouvines nous viennent repousser. Ce n'est pas pour me dire, moi, je ne peux pas faire ribat, ou bien moi, je fais ribat. Ribat, là, il reste venu même dans nous la vie. Nous reste gagné même par l'information, par l'information qui est vraie, et nous commençons cause concernant ça. Commençons par nous, madame, avec nos garçons, avec nos filles, ou bien dans nos masjid, nous commençons cause concernant péché un tel ou bien un tel. Mais finalement, mon frère fait péché, puis n'a doute, mais toi, que tu veux faire ribat. Moussaïen fait un péché, puis n'a doute. Mais toi, tu peux faire un autre péché, c'est ce qu'il appelle ribat. Mais Allah, comment pour attraper lui? Mais toi aussi, Allah, tu as là pour attraper toi. Mais comment on carrément moi bête comme ça? À quoi mon frère fait un péché? Moi, je fais un autre péché pour qu'il moi tasser devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, faire ses faux, nous tout, quand on tente un péché, comment dire, enterre ça. Pas vérifier. Ou bien essayer de gagner un peu plus de détails. Parfois, on a dit que c'est un plaisir. Quand on a vu ce film là, comment ça a déroulé, comment on a commencé, comment on a fini. Les gens disent, comment dire, la fin film là, tu comme ça, c'est un peu comme ça. Ils ont vu ce film là depuis son commencement. Il y a le gros d'information. Qui est arrivé? Qui est arrivé? Qui est arrivé? Ou bien plus pire, il y a le fait de la source. Il y a le espionner pour le connaître qui péché qui ça n'a pas fait. Nous gagnons le temps à l'espionner péché du monde. Nous gagnons le temps à l'espionner péché du monde. Et comme ça même, quand du monde, il y a sa maladie, il y a un tracas péché les autres, il prépare pour faire fête. Quand il y a un tel, il finit faire péché ou bien un tel, il finit faire péché. Un parmi les qualités qui peut enlever dans lui, c'est ce qu'il nous appelle les conseils. Et conseiller les autres, ça c'est qualité des bons prophètes. Ça c'est qualité de mon prophète. Mon tendi a été fait péché. Mon galoupé, moi, quand lui, mon tendi, mon frère, tu fais tel péché. Mon conseille-toi à pas faire ça. Mon conseille-toi sorti depuis là-dedans. Ça, qui moi tu veux faire? Quand mon tendi a été fait péché, au lieu moi le conseiller, mon frère khutba en bas la boutique. Mon frère khutba devant la porte masjid. Mon frère khutba, mon monde, mon lili, mon cause avec mon madame. Mon frère. On peut expliquer même qui n'arrivait, qui pas n'arrivait. Mais ça, ce n'est pas un comportement de la part d'un kena iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un prophète, il est venu là pour conseiller du monde. Et pas juste l'in là pour conseiller du monde. Les types faire ban sahaba prend l'engagement avec lui, qui en tant qu'un mu'min, mon devoir envers les autres mu'min, c'est conseiller les autres. Mais si vraiment nous comprenons qui m'a besoin conseiller, mon frère, mon gars, il y a une information, mon conseil, fini.
Mon gars une nouvelle, mon conseil est fini, mais mon pas faire tam tam avec ça. Et là qui arrivé, mon pour faire tout excepté conseil. Mon pour faire tout excepté conseil, mais nous dévier. Nous dévier quand nous tant nous prennent faire errer nos conseils. Jarir ibn Abdillah li jabaya'at Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam ala iqam as-salat wa ita'iz zakat wa nush li kulli muslim. Mon fait baïa avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon prend l'engagement avec lui. Mon pour accomplir mon salat. Mon pour donner zakat. Mon pour conseiller chaque musulman. Mon pour conseiller chaque musulman. Les prophètes peuvent faire sahaba, prend l'engagement avec lui. Ça, c'est ton devoir. Conseille ton frère. Conseille ton frère. Ton frère fait une rire. Conseille-lui. Ton sien fait une rire. Conseille-lui. Mais si nous allons dans sa direction-là, pas pour une fête dans nous la case. À cause spécial-t-il, à cause spécial-t-il. Quand nous, au contraire, nous pouvons souffrir. Quand nous entendons dire, un tel fin tombe d'un rire. Un tel fin tombe d'un rire. Un tel, ce madame, ou bien ce garçon, ou bien ce tifi. Fin arriver faire quelque chose qui n'a pas besoin et n'arriver pour faire une gaffe dans toute la vie, nous pour galoper pour le conseiller, non plus qu'il comme dire nous pour préparer nous pour le fêter. Et comme ça même, comment dit mon, les capables comme dire être content quand l'entend à propos péché un tel ou bien un tel, quand nous connaît très bien en tant qu'insan, peine à personne qui n'a garanti l'osso. Pas juste le degré de son iman, pas juste nous peine à garantir le degré de l'iman, mais nous peine à garantir le iman la même. Aujourd'hui le degré iman qu'a faux, demain il baisse. Pas juste nous peine à sa garantie qu'on m'a dit l'iman faux. Aujourd'hui demain il baisse, mais ça garantit là aussi nous n'a peine. Aujourd'hui nous n'a iman, demain nous paye du iman là. Tu peux te offrir pour un péché. Tu fais tam-tam à cause de péché un frère, mais demain toi, tu es capable de tomber dans sa péché là, ou bien plus grave qui sa péché là, ou bien pas juste dans péché. Demain tu es capable de trouver ton dieu au l'islam, tu trouves toi pour un man qui ne fait rida. Nous ne connaissons pas nous dans le monde qui nous veut vivre là. Quand tu es fitna qui prend naissance, un coup nous t'en dis, c'est pas Coran, un groupe de gens qui est l'islam, un autre fitna, c'est pas un tel, Saïd Baba. Wali Allah, ou trouve un groupe de gens qui peut suivre. Tout le monde qui a été fitna pour prendre naissance, nous ne sommes pas à perdre nos iman. Pour que nous devons dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dirik. Oh, toi qui tourne le cœur, oh Allah, chini molekia, ferme l'autodine. Chini molekia, ferme l'autodine. Les prophètes, tu peux faire ça, doit là en quantité. Ban sahaba fin demande, ya Rasulullah, est-ce que vous payez pour nous? Est-ce que vous payez, comment dire, vous pouvez faire, vous pouvez enseigner, nous, en sa doigt, là? Nous, on a mis l'iman dans où? Nous croyons dans où? Nous pouvons suivre où? Est-ce que vous payez pour nous? Les prophètes disent oui, parce qu'il est qu'il les trouve en ban, entre les doigts, Allah, Allah, les tourne qu'il est là, comme aller où Allah, les tourne qu'il est là, comme aller où les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent après, c'est pour faire une bonne action. Avant fitna, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Précipiter faire bon action avant fitna pour une autant fitna qu'on va dire la nuit obscure qu'on va dire noir suivi par noir comme ça fitna pour une dans sa ummat là grand matin jimon chen mu'min tant qu'on arrive tant une fini kafir grand matin il chen iman tantôt l'infini perdit ce iman. Donc ça c'est un chapitre dans lui-même. Il y a beaucoup d'athar lola, beaucoup de paroles de ban salaf lola. Parmi c'est Abu Darda radiyallahu an kabanna intani li befe adwa ou Allah protège-moi contre nifaq. Allah dit Abu Darda tatan sahaba te pèse protection avec Allah contre nifaq, te pèse protection avec Allah pour qu'il te parvienne un hypocrite. Pas un hypocrite, c'est un kafir qui permet le rôle musulman. Tu peux faire droit pour qu'il te paye un nifar dans toi. Alors il dit, « Men ya'manul bala, men ya'manul bala. » Qui s'en a qui à l'abri de fitna? Qui s'en a qui à l'abri de bantis? Nous pas qu'à connaître. Nous pouvons vivre la terre tant qu'il nous veut vivre la terre. Allah peut faire tes avec nous. Mais nous pas qu'à connaître, nous ne passons. Nous ne passons, mais nous n'avons garanti nous passer demain à nous.
Nous la garantie nous pour passer encore devant tout ce qui peut venir dans nous la vie. Là, il dit wa in wallah in ar-rajul la yuftan fi sa'a fayanqalibu 'an dinihi. Semalu Allah Abu Darajia an mu'min an mumali ganyan an fitna trapli dans ce din an fitna vin devant li l'en détourner de ce din l'en détourner de ce din. Allo ban frère et ban soeur, c'est pas une menace mais c'est une réalité. Nous pas qu'à faire tam tam avec péché un tel, péché un tel, quand nous-mêmes nous peut faire péché et nous pas connaît qui péché n'a nous. Nous pas connaît qui péché n'a nous. Donc quand nous donne un tel ou bien un tel fin faire péché, pas comment dire commence content ou bien peut réjouir ou bien comment dire ou les qui personne pétard. Non. Gain pire, attends, je vois là, mon frère est tombé, pas connaît moi, qui ne réservé pour moi, mon CN glissé, pas connaît qui ne réservé pour moi, gain sa traque là, et comme ça même, quand tu m'en, les gains sa plaisir, ou bien les gains sa préoccupation là, comme à dire, ça ne mine son métier à se taire, ça ne mine son travail, les is veillés qui s'en a, qui péché peut faire, voyez, la paix péché du monde, après, il y a le d'abazor, l'ivan sa boumorcé, celui qui vient, il gagne sa maladie là, en vérité, il y a un djimoun qui oublie son péché, il y a retrouvé son péché. Un djimoun qui get comment il get djimoun, il get sanna son péché, l'autre là son péché. Quoi dire qu'on tient à deux chiens tel, deux chiens imam, deux chiens d'aï, tout deux chiens, il y en a qui sanna qui péché en fait, quand qui péché en fait, qui grossit à péché en fait, il y en a tout deux chiens péché, tout djimoun, et toi, tes deux chiens. Toi, ton péché, ça c'est un erré, une direction qui nous prend quand nous commençons à gagner, quand nous gagnons tracas péché du monde pour faire tam tam avec ça, nous oublions nos péchés. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yubsuru ahadukum qada fi aini akhi wa yada'u al-jaz' fi al-jiz'a fi aini. Le prophète dit un djimon, les trous, comment dire, un la coucher d'alliger son frère, mais un gros djibois devant son ligé, il n'y a pas trouvé. Il trouve un petit la poussière, un petit la paille. Quand il s'agit de son frère, il trouve péché son frère. Mais pour lui, gros péché, il n'a pas trouvé. Comment un djimon arrivé, il tombe dans sa erreur là, c'est quand il développe sa maladie là dans lui. Quand il prépare lui, il attend quand pour gagner une nouvelle, un tel, fin faire péché. Et comme ça, mon frère, comment nous capables, quoi dire, prendre plaisir pour cause qu'on se n'a péché un tel, quand nous pouvons vivre, nous avons madame, nous avons garçon, nous avons petite fille. Nous ne connaissons pas qui attend nos garçons, nous ne connaissons pas qui attend nos petites filles. Allez conseiller aux frères, dénonce le mal, pas besoin de dénoncer le mal, dénonce le mal, conseille nos frères. Mais c'est mal, pas faire tam-tam, parce que nous ne connaissons pas. Ou peut faire tam-tam ou un tel certifié, il vient commettre, si pas, il met un cas de photo au Facebook qui va te bien mettre. Un PC nous conseille, du monde qui concerne, pas faire tam-tam. Ou peut rire pour une petite chose, ou un certifié demain qui va faire plus pire. Ou peut rire, garçon un tel, demain ou garçon va faire plus pire. Mais si un du monde qui a un tracas, ou garçon certifié, mais les autres PC qui les autres peuvent commettre, il y a les thèmes prend compte. Il n'est pas pour gagner le temps pour prendre compte un tel qui péché ne fait, un tel qui péché ne fait, qui veille. Parce qu'il peut veiller qui péché, son garçon peut veiller. Il peut veiller qui péché, son tibi peut veiller. Sa traka là, il peut gagner. Quand il peut gagner sa traka là, alors il n'est pas pour gagner les autres traka. Quand il peut gagner les autres traka, alors attention, tu peux oublier sa traka là. Attention, tu peux oublier sa traka là. Donc, il y a beaucoup de monde dans sa façon là. Quand il peut cause concernant un tel ou bien un tel, ou bien quand il peut cause concernant tel imam ou bien tel d'ari, comment dire, c'est un dernier du monde qui est dans la terre. Comment dire, c'est un dernier du monde qui est dans la terre. Il se fait tel péché, il se fait tel péché. Péché, c'est péché, grave, haram. Ne pas qu'un brave, il ne prend pas n'importe qui s'en a, ou bien défendre n'importe qui s'en a. Mais ça, c'est son péché. Tu peux connaître toi ton péché. Tu peux connaître péché ton garçon, ton petit fille, mais si nous concentrons dans péché les autres, n'oubliez péché ce qui concerne nous, alors ça, le point est réel qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège nous. Amen. Inna alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'du. En vérité, mon frère et ma soeur,
un musulman, il est bien, il a des goûts pour pécher, et n'importe quand il tonne un tel fin faire un péché ou bien un tel fin faire un péché, les bizins a des goûts pour sa péché là, mais seulement en même temps qu'il a des goûts pour sa péché là, les bizins peut s'agresser sa frère ou bien sa soeur qui tombe dans sa péché là, les conseiller, les cacher de sa péché là, les essayer sauver sa frère là, sa soeur là depuis sa péché là, il n'a pas fait tam tam avec ça. Comment un dimon est capable? Il prend péché un tel ou bien un tel, il peut faire tam tam avec ça, ou bien il garde dans ce tuyau, quand pour bien tirer, il peut tirer. Comment nous capables pour nous dans sa façon là, quand en vérité nous dit, nous vient enseigner nous, un dimon, il est capable de faire un péché. Il est capable de faire un péché à travers sa péché là, son grade élevé auprès d'Allah. À travers sa péché là, son grade élevé auprès d'Allah. Comment? Un dimon fait péché. Toi, tu peux faire tam tam, il fait péché. Toi, tu peux content, il fait péché. Est-ce qu'il nous pas réaliser, nous, sa péché qu'il fait là, à travers ça, là, élève son grade. Mais nous rendons imbéciles, nous rendons stupides, nous peut content, nous peut piler la tête d'un frère, nous peut sauter piler le péché un tel ou bien tel, mais à travers sa péché là, ça dit mon lali son grade fin élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un hadith rapporté par Imran ibn Hussein, une madame depuis Juhayna, l'imine contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'imine commet zina et l'imine enceinte de zina. L'imine commet zina, il est enceinte de Zina. Il me dit à sa madame, il dit, ya Rasulallah, mon fait péché. Applique la loi, Allah, le moi. Fais rapidement. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors, il fait, il a tanné, il finit ce petit bébé, l'autre, après qu'on paye, quand il arrive pour lapidli, fin lapidli, et ensuite, quand il finit lapidli, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce salat janaza. Il fait ce salat janaza. Omar radiyallahu anhu tu salli alayha ya nabi allah wa qad zanat. Omar dit ya rasoul allah, ou bien namaz pour sa madame là, namaz janaza li tu fais zina ya rasoul allah, ou bien namaz janaza d'une madame qui zoji pe lapid li pe mo à cause d'un zina qu'il en fait, et il n'en sait de filmer un bébé au monde à travers sa zina là. Le prophète dit, لقد تابت توبة لو قسمت بين السبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله. Le prophète dit, oh Omar, l'infi en qualité توبة. Qui si portait sa توبة là, comme déjà 70 djimoun rentre là-dedans. Sa qualité taouba la l'infiya auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre riwaya, dans l'autre événement, Bouraïda radiyallahu anhu dit à madame, quand elle a pris le lit, elle rousse, fin tape le lit et dit sans fin vin, comme elle a dit, elle a dit, Khalid ibn al-Walid, quand ça dit sans elle a dit, Khalid ibn al-Walid, elle a dit, zou sa madame là, elle a dit, c'est un mal propre, une mauvaise madame. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ten Khalid, une cause mauvaise pour sa madame, qui peut la pris le lit. Mais lapidli, disant, il saute le Khalid, Khalid fait une cause mauvaise, le lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mahlan ya Khalid, fa walladhi nafsi biyadihi, laqad tabat tauba, law tabaha sahibu maksin la khufira lahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Khalid, fais attention, un kaiti tauba l'infir, qui, si c'est lui qui prend taxe, quand il y a justement, il prend taxe avec Jimon, il te fait ça. Un tauba pareil, Allah tu peux pas donner le dire. Un kaiti tauba l'infir, si tu as Jimon, tu peux faire le gros péché, beaucoup plus grave que ça, Allah tu peux pas donner. Donc, nous avons quelque chose qui appelle tauba. Nous avons quelque chose qui appelle tauba, qui Allah content. Mais quand Allah content, qui appelle tauba et qui appelle Allah content, faudrait dire, nous pas le faire péché pour faire tauba, non. Nous pas dire que moi faire péché, après vous faire tauba là pour content, ça nous pas faire. Mais quand dit mon l'infini fait un péché, l'infini fait un péché, l'infini fait un tauba, et tauba là c'est en lien avec Allah. Un tauba sincère, c'est en lien avec Allah. L'infini dit, oh Allah, moi reconnaître sa pose qui m'a mettait le Facebook là, moi reconnaître un péché, oh Allah, pardonne-moi. Allah pardonne-lui. Et ça a été tauba qu'il a fait là, Allah content, Allah, il est au grade. Il dit, oh Allah, pardonne-moi.
Allah pardonne, toi t'as encore péché, et get sur photo, get sur comète, get sur l'autre, tu peux aller même à ça. Alors fais attention, mon frère. Mon frère, il a fait un péché, moi aussi, il a fait un certain péché. L'in fait un taouba, Allah pardonne, nous n'avons encore pu faire tam tam avec ça. C'est nous qui pouvons, comment dire, nous pouvons prendre si mal en fait. Et comme ça, même un dernier point, qui fait que nous n'avons pas fait tam tam avec péché, nos frères, c'est quand nous prenons sa tendance là, nous avons une tendance pour agir envers celui qui nous fait péché, comme on dit, visa l'enfer, pour lui dans nous la main, nous avons juste pour donner sa visa là. Nous avons pour donner à elle tout visa l'enfer. Nous comptons bien nous accueillir dans le Saint-Nom. Un jimon, même quand il était bon action, il nous fait, nous dit, nous avons l'espoir à la récompense libre, nous ne connaissons pas qui péché l'infer. Nous ne connaissons pas dans quel état l'infer. Comme ça même. Un jour même qui a été péché l'infer. Nous ne connaissons pas qui action l'infer avec Allah. Et nous ne connaissons pas dans quel état l'infer. Alors quand il est comme ça, nous ne sommes pas capables, comme dire, nous pouvons agir envers un démon, l'intome d'Azina, ou bien une madame, l'arrivée de trompe sur Miché, ou bien une fille qui quitte la case, son papa, il est allé. Nous pouvons agir envers lui pour sa péché grave qu'il est venu là. Oui, péché la grave, mais c'est mal, nous pouvons agir envers lui, comme dire, il finira dans l'enfer, la vie. Il finira dans l'enfer. Non, un démon, pas connaît aujourd'hui, il fait un plus grand péché. Demain, il fait un plus grand tauba de sa péché là, il est plus pur que nous. Nous connaissons, Allah ne pardonne pas shirk. Ça, c'est celui qui meurt le shirk. Ça, c'est celui qui meurt le shirk. Celui qui est encore vivant, il commet shirk, il fait tauba. Il n'a pas pardon, il n'a pas pardon pour lui. Si un jour, il fait tauba de shirk, Allah pardonne. Mais zina, ou bien la drogue, ou bien l'autre, il fait fraude de travail. Mais il n'a pas tauba pour ça. Mais comment nous avons agi envers lui, comment dire l'enfer et puis à lui. Donc là, c'est nous qui, comment dire, nous sommes capables pour prendre si mal l'enfer, si nous agissons dans sa façon-là. Le prophète dit, tu n'as des frères de Ben Israël, un nati tout le temps obéissant, un nati tout le temps désobéissant. À chaque fois, celui qui est obéissant, il conseille sa désobéissant-là. Une fois, sa frère désobéissant-là. Quand l'obéissant là peut conseiller, quand il est en colère, il dit assez, comment dire, Allah a envoyé toi pour veiller moi l'eau la terre. Comment dire? Allah a envoyé toi pour veiller moi l'eau la terre. Là, sa obéissant là, il dit Wallah, la yaghfirullahu lak. Mais toi, Allah pas pour pardonner toi. Toi, en comment toi, Allah pas pour pardonner toi. Le prophète dit Allah ne pardonne pas, Allah ne pardonne pas, Allah ne pardonne pas dans l'enfer. Parce que tu n'as pas le droit de dire un tel Allah pour pardonner, ou bien un tel Allah pas pour pardonner, un tel pour en déjeuner, un tel pas pour en déjeuner, ça ne concerne pas toi ça. Donc quand nous avons cette tendance, veille péché du monde, content quand du monde fait péché, nous prenons une tendance, comment dire, fini mes pieds dans l'enfer, c'était la même. Et quand nous avons cette tendance-là, alors il est dangereux pour nous-mêmes. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah t'aide nous la compréhension. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus salat.